Je m'appelle François Garde, j'ai 64 ans. Je suis à la retraite depuis 18 mois après une carrière essentiellement de haut fonctionnaire. Et quant à ce livre qui a été choisi par le jury, eh bien c'est l'histoire d'un secret de famille et de la trace qu'il a laissée pendant trois générations dans ma famille. Donc il y a une dimension qui est d'enquête et aussi une dimension qui est de création littéraire, parce que quand on ne sait rien, eh bien, le romancier s'engouffre dans cette faille. Alors, je suis très flatté et très honoré d'avoir été sélectionné par le jury. Et le fait que des personnes plutôt âgées aient été sensibles à cette histoire de restitution d'un passé, de réflexion sur la transmission d'une histoire familiale, je pense que ça a provoqué des vibrations en eux qui étaient exactement en raccord avec les vibrations en moi au moment où j'ai découvert et écrit cette histoire. Les jeunes générations ont besoin de la transmission, mais en même temps, ils ne sont pas toujours réceptifs. Et ils deviennent réceptifs plus tard. Moi, si mon propre père n'avait pas écrit ses souvenirs, j'aurais jamais eu le matériau pour rédiger cette histoire. Donc, c'est important de consigner pour les générations futures ce qu'on a été et d'où l'on vient. Pour les résidents Noé, le message, ça serait continuer d'être curieux. L'idée d'un club de lecture, quel que soit le contexte dans lequel il se déroule, c'est que on se rassemble pour mettre en commun des émotions, et ça, c'est un trésor extraordinaire. Ce qui est important, c'est d'échanger, c'est de partager une passion. Pour tous les membres du jury, ce choix qui a été fait en faveur de ce livre me touche beaucoup parce que pour moi, c'est 7 années d'écriture. Et est-ce que cette histoire de ma famille allait intéresser quelqu'un d'autre que mes frères et sœurs? Eh bien oui, cette histoire d'une famille et d'un secret de famille peut intéresser très au-delà du cercle familial et ça, je suis vraiment très heureux. Merci au jury de s'être laissé embarquer dans l'histoire de la famille Garde.